tu fais quoi là? Quoi? Bah je joue. Demain la rentrée Myriam, il faut que tu ailles te coucher tôt. Donc tu me jettes ça. Tu vas préparer ton cartable, tu vas faire ta douche, tu vas dîner et tu vas au lit. Ah j'ai oublié, demain c'est la rentrée, en plus je vais faire mon premier jour au collège, je suis grave stressée les gars. Bon bah je peux pas rester longtemps, je dois y aller, bonne nuit. One hour later. C'est une... Non mais là c'est une blague. La piscine, moi pour moi c'est la piscine en vrai le meilleur. Vous êtes sérieux? Mais vous faites quoi à cette heure là? Mais je vous ai dit d'aller dormir. On n'arrive pas à dormir, on peut pas, on n'arrive pas. Demain vous levez à 7h du matin, vous allez faire comment? On va dormir, demain il y a le collège. On n'arrive pas à dormir. The next day. Myriam, lève-toi, allez, 7h du matin. T'avais dit hier de dormir tôt. Allez, prends ton petit déj, va te coiffer, c'est l'école, ça y est, c'est fini les vacances. Allez, lève-toi. Quand vos parents ils vous lèvent le matin, vous faites ça et vous gagnez grave du temps pour dormir. Oui, je vais me réveiller. Et après, dès qu'ils sortent de la chambre, tu te rendors. Oh, les vacances étaient incroyables, Aïssa. En Algérie, regarde le maillot, il est pas incroyable le maillot que j'ai pris en Algérie. Bien sûr. Sinon, on peut le trouver qu'en Algérie. Si tu parles comme c'était pas la rentrée. Ah ouais, c'est ça qui me fait mal. J'espère cette année qu'il y aura des bons élèves. Pas comme l'année dernière, il y en a un qui s'est pété un pétard en plein cours. Ah bah, je crois qu'ils sont arrivés. Les mini-moys, ça me dégoûte de les voir. Eh Omar, je stresse de ouf pour le collège. Bah va leur demander ce que c'est, ils vont t'expliquer. C'est mon premier jour en 6ème, je sais pas comment ça se passe, je vais aller voir les 3ème. T'en penses quoi de mon outfit? Regarde, j'ai rien ramené pour les... Elle est 3ème, c'est comment la 6ème? Tu t'appelles comment toi? Myriam. Tu viens d'arriver? Ouais. Oh là là, t'es arrivé dans un truc, t'es pas prête. Eh, quitte l'école. Quitte l'école, je te le dis. Va voir ta mère, dis-lui ça y est, j'arrête l'école. Déjà pour commencer, on va quitter à 19h tous les soirs pour commencer. On a plus de vie, y a plus de foot, y a plus de sport, y a plus rien. Les surveillants, si tu fais des bêtises, ils te frappent, ils viennent comme ça, ils te mettent des plaques, d'accord? Tu sais, il s'est passé quoi? Quoi? Raconte-lui l'histoire de Brandon. Raconte-lui. T'as ton goûter? T'as ton goûter? Oui. Et bah maintenant tu l'as plus. Il est où ton goûter? Non. Prends son goûter. Mets-le là. Bah allez. On fait ça pour te protéger. C'est pour te protéger. Ton bien. Parce que si on fait pas ça, si on le fait pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Voilà. Allez, va là-bas. C'est ça le collège. Tu voulais savoir? Voilà. Là, regardez-lui avec sa casquette et son maillot de l'Algérie. Allez, les enfants, entrez. Allez-y, entrez. C'est la rentrée. Allez, on y va. On n'est pas timide. Allez, venez. Moi je vais te dire quelque chose, si tu veux ma protection, à tous les jours à 4h tu me ramènes ton goûter, c'est bon? D'accord, et tu auras ma protection. Ah mais bonjour. Toi depuis qu'elle t'a donné le goûter, c'est devenu ta meilleure amie hein. Ouais. Bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va et vous? Passez de bonnes vacances, ça va, ça me fait plaisir de vous revoir. Prenez vos places, asseyez-vous. Et tout le temps comme ça. Comme l'année dernière. Yassine, mais comme l'année dernière. Comme l'année dernière, ah oui. Ok les deux c'est parfait, Omar et Myriam, vous vous asseyez à côté s'il vous plaît. J'ai pas envie de parler fort aujourd'hui. Avec le sourire. Sortez vos affaires. Tu viens en sacoche, toi, t'as pas d'affaires. Tu commences dès le premier jour. J'ai des affaires. Est-ce que tu veux un cahier à lui prêter? Ouais. T'es parti où en vacances? Je suis allé en Turquie avec ma famille. Ah oui? Ouais, c'était lourd. C'était bien la Turquie. Excusez-moi, c'est la rentrée, on est encore en vacances là? Monsieur? Oui. Je me suis trompé de sac. C'est pas possible. Je prends un sac de sport. Alors, c'est le premier jour. Allez, on se tient correctement. Alors, moi, je me présente. Excusez-moi. Alors là, ça commence très très bien. On commence comme ça dès le premier jour? Qu'est-ce qu'on fait? On t'exclut? On appelle tes parents? On fait comment? Pardon, monsieur. Oh, t'as fait ça, ouais! C'est le premier et dernier avertissement. On recommence à zéro, les enfants. Alors, je me présente et vous allez vous présenter chacun votre tour. Alors, moi, c'est monsieur Noisette. Comment ça s'écrit, monsieur? N-O-I-S-E-T-T-E. Il y a quelque chose de marrant? Non, monsieur. Vous allez vous présenter chacun votre tour. On commence par toi, la petite nouvelle. Bonjour, je m'appelle Myriam. Eh bien, tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis à l'école. Et toi, à côté? Oui, on connaît, ça fait déjà 4 fois qu'on te revoit. Tu vas faire quoi cette année? Tu vas bien travailler? Tu vas redoubler? Tu vas faire quoi? Bonjour, je m'appelle Amande. J'allais la faire. Très bien, tu te lèves, tu viens avec moi. Mais c'est mon prénom, monsieur. C'est mon prénom. Viens avec moi. C'est mon prénom. C'est pas moi. Non, pas toi. On va sortir un moment. Bien. Pas de problème, mais c'est Noisette. Qu'est-ce que tu me fais devant tout le monde là? Je tu veux tuer mon année? Mais non! Tu veux tuer mon année dès le début? Non! Tu vas te tenir à carreau! Okay. Sinon, je t'emmène dans la cave! Je vais faire du sale! Ok. Vas-y, rentre! Okay. Rentre! Ah, reprends ta présentation, s'il te plaît? Je m'appelle Yassine. Yassine. Très bien, à côté? Moi, c'est Issam, tu vois, vous me connaissez déjà, je pense. Très bien. Alors, on va partir sur l'emploi du temps, hein? Vu que je sais que vous attendez ça avec impatience. Alors, le lundi. Vous allez commencer à 8h et vous finissez à 15h. Oui! Mon gars. Mais attends, rappelle pas l'année dernière comment ils nous ont fait? Ah, c'est vrai. Attends, les autres jours. Mardi, je suis désolé, on n'a pas réussi à trouver un accord avec la CPE. Vous avez 2 heures de perte de midi à 14h, donc vous aurez 2 heures pour manger tranquillement. Et vous finissez à 16h30. On va au stade. On va au stade à 2h, un match de fou furieux. Mercredi, par contre, on commence à 8h. Et on finira à 18h30. Mais non, toujours pareil. Mais mercredi, tu vas pas le mercredi. Mais monsieur, moi j'ai foot, tu fais comment? Tu vas foot? J'y foot à 16h. Tu peux pas déplacer le jour? Non. Et bah ce jour-là, tu n'y vas pas. L'école, c'est plus important que le foot. Quoi? Tu n'y vas pas ce jour-là, c'est français? D'accord. Jeudi 8h-16h, vendredi 8h-16h,
Et le week-end, vous êtes tranquille, on n'a pas école. Ça. Yes. Putain, j'ai eu peur. Il y a cours vendredi, mercredi 18h, il y a même pas foot. Je t'ai dit mercredi, on va pas. Eh bien, aujourd'hui, on accueille une nouvelle élève, hein, vous savez. Donc Myriam, on va faire une vérification des connaissances. Est-ce que tu as bien révisé cet été? Ouais. Très bien. Je vais t'interroger sur quelques questions. Si tu as les bonnes réponses, c'est que tu as le niveau. Sinon, va falloir aller en CM2 encore. Quand a eu lieu la Deuxième Guerre mondiale? À la naissance de ton essai. En 2024. En 2020. C'est une blague. Monsieur, c'est eux, ils m'ont dit. Quoi? Mais pourquoi? Quoi? Tu racontes, on n'a rien dit, nous. Première mauvaise réponse, Myriam. Tu commences très bien l'année. C'est ton premier jour. Comment elle peut avoir lieu en 2024? Nous sommes en 2024. Réfléchis. Deuxième question. 6 x 4. Question de mathématiques assez basique. 2. Monsieur, qu'est-ce qu'elle fait dans notre classe? Tu n'as pas révisé, en fait. Si. Dernière question. Comment s'appelle le président de la République française? Noisette. Tu viens me voir, s'il te plaît. Alors, tu vas établir un nouveau record aujourd'hui. Pour ton premier jour de cours, tu vas avoir 3 heures de colle. Mais monsieur, c'est eux, ils m'ont dit. C'est eux qui t'ont dit? Oui. C'est qui t'a dit? Montre-le-moi. Omar, il m'a dit, monsieur. Omar, tu viens ici, s'il te plaît. Lui, il m'a dit en 2024. Laissez les deux, il est... Très bien, allez vous asseoir. Vous voulez jouer au plus marrant, moi je joue au plus marrant. Vous êtes tous collés 4 heures. Quoi? Mais t'as fait à cause de toi? C'est toi, t'as fait le 2024. C'est lui. C'est trop, c'est à 4 heures. Les nerfs sont un peu tendus, je vais vous laisser partir aller manger. Allez manger dehors, ne restez pas dans l'établissement, j'ai besoin de réfléchir un peu. Même si on peut laisser nos affaires. Laissez vos affaires. Eh, venez, on va à la boulangerie. Vas-y, viens. On va dans la boulangerie. Par contre, j'ai pas d'argent, moi. Mais ça se fait, on est dans la même classe. Je sais pas, t'as quel âge? 23. Redoublé combien de fois? 23. Les questions se posent pas, mais j'espère pour toi que tu feras pas la même erreur. Allez, viens voir la boulangerie. Ça, je l'avais déjà goûté, c'est pas. Ça, c'est une tartiflette au citron. Je vais t'apprendre la vie, petit sixième. À la pause du midi, quand on mange, il faut tout le temps les bonnes choses. Menu spécial midi étudiant. Ah, menu spécial midi étudiant. Mais c'est bon, Mélim, tu peux manger. Ça lit pas, hein? Y'a mes gosses derrière. Mais attends, mais comment ça se fait? T'as une voiture, t'es en sixième. J'ai pas de questions, y'aura pas de réponse. Bon, déjà, je vais vous présenter ce que j'ai pris. J'ai pris tout ça. Pour en avoir, fallait faire ta commande. Déjà, on va goûter le fabuleux éclair au spéculoos. Vous imaginez, si à l'école on aurait pu avoir des trucs comme ça, ce serait incroyable à la cantine. Waouh! Il sera jamais à la cantine, peut-être dans nos rêves. Là, on va goûter le croissant aux amandes. J'avais plus de Nutella, trop la rage. Lait. J'espère que je peux pas m'endormir pour l'après-midi parce que quand tu manges sur pâtisserie, habituellement tu t'endors. Maintenant, on va goûter. Là, t'es une sixième et tu manges beaucoup quand même. Hein. Oui, les sandwichs. Bah oui, logique. Ça change. On enlève quoi là? J'enlève les. Comment ça s'appelle? Les concombres. Porte quoi? On enlève pas les concombres. Tu manges pas? Non, ah, il. Ah oui, il s'est fait virer, miskin. Je t'ai fait virer. Oh là là. Ça a coupé l'appétit. Oh bah. Ah ouais, c'est vrai. Oh la masterclass. De toute façon, tu salis, hein. En tout cas, ça c'est un banger. La cantine, tu y mettrais ça, je mangerais tous les jours. Ah Omar, j'ai ramené ça pour l'après-midi pour pas qu'on s'ennuie. Un anti-pileur. Bah ouais. Mais il nous fout des ballons. Bah tu fais. J'ai pas chez moi. T'arrives quoi, Yacine? Hop là. Eh, Myriam, tiens. Les petits, voilà, ils rentrent tout le temps dans les fins. Tu veux jouer? Ouais. C'est au milieu, viens au milieu. Viens au milieu. Viens, Yacine, ouais. Oh. 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 Eh, tu fais quoi? Tu fais quoi, gros? Touche pas mon pote, moi. Je te le dis, moi. Ah, vas-y, recule, là. Moi, je préférais la primaire, là. Les gros, ils font que de se battre, j'en ai marre. En vrai, en primaire, genre, tu joues, tu vas à la cantine avec tes potes, c'est bien. Bon, j'ai bien réfléchi pendant ce repas. On va oublier tout ce qui s'est passé ce matin, on repart sur des bonnes bases. On va commencer le cours de français. On a le Robert. Je vais vous donner un mot, vous me donnez la définition. Celui qui réussit, il a une heure de colle en moins. Oh, la dinguerie. Enfin, oh là, je vais perdre toutes mes heures de colle. Quelle est la définition du mot exorciser? C'est qu'on faut faire une roquilla. Pardon? C'est quand. Vous avez dit quoi, monsieur? J'ai pas compris. Myriam, exorciser. Tu parles tout seul? Non. Exorciser. Chasser, conjurer le sort, etc. Je vais vous laisser à vos cahiers. Vous allez me trouver 5 définitions. Du mot expectorer. Il y a 5 définitions. Allez-y. Monsieur? Oui. J'ai pas compris. Je vais vous expliquer. Alors, Myriam, tu n'as pas compris quoi? Parleur, parleuse. Beau, parleur, séducteur, baratineur. C'est tout ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas croire. Ok, Myriam, tu as compris? J'ai compris. Je vais m'absenter, ton collègue il m'appelle, j'arrive. Putain, la bouche, c'est une dinguerie, il a mangé quoi ce matin? Il a dû manger de la noisette. Est-ce que c'est bien compris? Parodie, imitation, oui. Pastiche, simulacre. Va nous l'écrire au tableau, tiens. Va nous l'écrire au tableau, allez, vas-y. Monsieur, je me sens pas très bien. Myriam, qu'est-ce qui se passe? Myriam. Ouh, mais il faut appeler les secours, il faut. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas mangé ce matin? Plus trop de la bouche. Plus de la bouche. Il va enfin rougir, lui. Viens, on va le fermer, viens.
je n'ai pas réussi à voir le Samu. Oh mais Myriam, ça va mieux. Yacine, tu vas garder la classe. Je vais aller faire un rapport à la CPE pour signaler que la petite Myriam s'est évanouie pour le premier jour. J'ai pas envie d'avoir de problème. C'est moi qui attaque. Pas de problème, monsieur, pas de problème, pas de problème. Il y en a un, il bouge. Il va prendre 4 heures de colle. Mais non, je rigole, les gars, c'est football. Ouais. Vous êtes tous en train de dormir? Oh mon dieu, oh bon dieu, oh bon dieu, oh bon dieu, je vais avoir des cheveux blancs avec ces élèves. C'est Omar! C'est Omar, monsieur, c'est Omar, c'est lui! C'est lui, je l'ai vu, il a fait des bêtises depuis tout à l'heure, il joue avec la balle. Tu n'auras pas 4 heures, mais 8 heures et 3 jours d'exclusion. 3 jours! Mais je veux plus te voir ici! Mais je dormais! Oui, ça doit être ça, je vous ai entendu crier et Yacine, ton problème. Mais si ma mère va me crier dessus! C'est pas un problème, fallait réfléchir avant. Monsieur? Vous nous avez pas donné le programme du sport, c'est quoi le programme du sport? C'est vrai, donnez-moi une seconde. Oh, j'espère qu'il y a faim. Football, basket. Pour cette année, nous aurons 4 sports. Ok. On va commencer par du cirque. Quoi? Vas-y. C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. Deuxième sport, vous avez besoin, je vois que vous êtes jeune, vous avez un petit peu d'énergie, on va faire de la cour. Par contre, le troisième sport, je crois que pendant 2 mois, vous n'aurez pas cours. Vous allez commencer à 10h le mardi. Quoi? Ah non, je me suis trompé. Vous allez faire du bowling. Et le dernier sport? Football, s'il vous plaît, football, monsieur, s'il vous plaît. Nous allons faire du football, mais les yeux bandés. Mais quoi? Mais c'est quoi? Voilà, monsieur, monsieur, ça c'est le... Là, regardez là-haut, champion, c'est vous, là. Oui, en effet, c'est moi. On va partir pour la dictée. Alors là, j'ai pas. Tu perds, il, elle perd. On s'en fout. Nous perdons. C'est quoi ces bruits-là? On va passer au verre. On s'en fout. On s'en fout. Tu veux. On s'en fout. Noisette. Alors, vrai ou faux? Vous m'écrirez vrai ou faux sur votre cahier? Faux? Noisette! Noisette! Ah, ça t'abuse! T'as de la barbe, t'es encore au collège! Tu veux pas t'en sortir? Tu vas aller travailler au McDo, mais mon McDo ne va pas t'accepter! Imbécile! Imbécile! Je viens de retrouver ça sur mon bureau, ça a quelqu'un? Oui, monsieur, je l'ai vu, j'ai vu Omar tout à l'heure, vous le jetez pendant que vous... Non, mais monsieur, j'étais à côté. Alors, Omar, c'est à toi ou c'est pas à toi? Maîtresse, en fait, monsieur, pardon. Tu t'appelles Omar? Monsieur, c'est à moi. Viens, ça sert à quoi, ça? C'est pour tracer des parallélogrammes. Très bien, Omar, c'est bien. Merci, monsieur. Les quatre côtés ont la même longueur. Ce qui s'appelle un carré, bien évidemment. C'est quoi que j'ai entendu? Il y a quelqu'un qui a un téléphone sur lui? C'est une blague. Lève-toi, ça fait déjà 2 fois. Tu te lèves. Waouh, lève-toi, mon grand. T'es grand pour faire des bêtises. Allez, dehors, ça dégage, ça dégage. Pourquoi t'as viré? Sur la table. Ah, mais pourquoi je suis gomme? Pardon, mais c'est... Comment ça, je suis... Mais oh là là, sortez tous! Sortez tous! Monsieur, on dégagez a... Je veux plus vous... Dégagez. Les petits, les grands, sortez tous! Tous! C'est votre dernier jour. Oh, j'en peux plus de ces élèves. Eh les gars, je pensais vraiment pas que ma journée de 6ème allait se passer comme ça. C'est une dinguerie. L'autre il jette des canettes, l'autre il se fait virer de cours. Mais c'est une dinguerie la 6ème en fait. Et aussi les gars, oubliez pas, restez sages à l'école, travaillez bien à l'école, c'est important, écoutez les profs et rendez fiers vos parents. Sinon vous allez finir comme eux, vous allez vous faire virer. J'espère la famille que la vidéo vous aura plu. Oubliez pas d'aller vous abonner à leur chaîne YouTube. Ils vont c'est reprendre vrai. Les vidéos en balle. Je vous laisse présenter votre chaîne, les gars. Bah notre chaîne, vous la connaissez déjà sûrement. Si vous la connaissez pas, Soprod et Issa TV, chaîne de très grande qualité avec un travail qui va être beaucoup plus amélioré que ces anciennes années. Ces dernières années, très exactement. Très important, oubliez pas, on a tous le bac ici, sauf moi. Et merci aux profs derrière la caméra aussi. Dieu merci, je suis pas prof et j'ai pas eux comme élèves. C'est... Moi je suis calme. Moi déjà toujours je m'assois au premier rang, toujours au premier rang et toujours j'écoute et je participe. Est-ce que c'est vraiment vrai que le dernier rang c'est pour les cancres? Non, c'est pas forcément, mais c'est mieux de se mettre au premier rang et d'écouter. Comme ça au moins t'auras ton bac et t'auras un bon travail. Ensuite, avant de finir la vidéo, je vais vous demander votre chose préférée à l'école. Moi ma chose préférée c'était ça. Je me mettais sur ma chaise et ça, je faisais ça. C'était incroyable. Le balancement, les sensuels, il est super dynamique. Ah si, la récréation, la prendre. Les trucs préférés, c'est l'école, c'est bien l'école. Tu t'écoutes, tu participes, t'apprends des choses, c'est bien d'apprendre des choses. Et surtout, sécurise un futur métier, tu deviens pas un cancre. La cantine. Les donuts sucrés. Le meilleur à l'école, Sine pourra vous le dire, c'est ces moments inoubliables avec les amis qu'on passe. Tous ceux qui sont encore à l'école, profitez de vos années, parce que je vous le dis, une fois qu'ils passent, vous les regretterez. Exactement. Nous, on va vous laisser là, la famille, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un max de likes cette vidéo, on veut au moins 10 000 likes. Mettez 10 000 likes, abonnez-vous. Exactement. Ciao.